du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous rendons grâce à Dieu ce matin avec Alexandre, notre organiste, et 4 heures, avec la radio des médias, qui rend grâce au Seigneur pour le don de la vie. Nous rendons grâce à Dieu aussi avec Josiane et Bevel pour le don de la vie, avec Agathe Kiss, Masunga Binyumba. Nous rendons toute grâce au Seigneur. Nous parons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glory, glory, glory.
Jésus-Christ, Seigneur du Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Par toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes et aux femmes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres suivirent avec le commandement du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer à la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, jusque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent ramener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara. Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver.
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Amen, mon rejeté les bâtisseurs, est devenu la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia, chantons de joie d'être sauveur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le retirer, tellement il y avait le poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre,
c'est le Seigneur. Quand Simon Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La pierre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha et il prit le pain. Il leur donna et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifesta à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toujours dans cette dynamique qui nous donne de célébrer le dimanche de la résurrection rendu au vendredi de l'octave. Une fois de plus, Saint Jean nous donne un témoignage, celui du Christ ressuscité, qui non seulement se donne de redonner à ses disciples de revivre, comme qu'il dirait, une pêche miraculeuse. Dans l'évangile de Saint Luc, nous avons la pêche miraculeuse. Et là, avec la résurrection, Jésus est au bord du lac et les pêcheurs ont pêché, ont peiné, sans rien prendre toute la nuit. Et au petit matin, il leur demande, les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Et voici qu'il leur demande de jeter le filet à droite. Mais avant d'évoquer la pêche miraculeuse, je voudrais revenir sur un point qui est un peu comme dans la vie de chacun d'entre nous. Si les disciples d'Emmaüs, en descendant, sont dessus et parlent entre eux, ici, Pierre aussi manifeste une grande déception. Celui qu'il a appelé afin de faire de lui des pêcheurs d'hommes, voici qu'il a été arrêté, qu'il est mis à mort. Et que même des femmes sont venues dire qu'il est ressuscité, leur a trouvé son corps. Et Pierre vit une déception. Il dit à ses compagnons que je m'en vais, je repars dans mes vieilles besognes. Comme les disciples de Maïus qui disaient, et nous qui espérions qu'il serait le libérateur. Voici 3 jours déjà. Dans notre vie, au quotidien, lorsque nous marchons à la suite du Christ, nous sommes souvent gagnés par la déception. Gagnés surtout lorsque nous sommes trahis par un être proche, par un frère en Christ. Nous entendons des paroles venant de sa part, rapportées par quelqu'un, alors que nous avions confiance en lui. Nous avons la totale confiance en ce frère ou en cette sœur. Il se vit en nous comme qui dirait une déception. Pourquoi continuer à marcher, à cheminer comme chrétien? Pourquoi ne pas revenir sur notre lien de sang? Parce que par le baptême, il y a avec le Christ Jésus le lien de l'eau. Et souvent, dans notre Afrique,
le lien de l'eau, nous essayons d'y mettre nos pas, mais c'est plutôt le lien de sang que nous privilégions. Et le Christ Jésus, il est là présent. Il nous invite à aller au large, à jeter le filet. Ce qui est admirable, c'est que les disciples ne se donnent pas de s'interroger en disant c'est qui. Et de par l'intimité vécue, dans un cœur à cœur vrai, avec Jean, qui, au pied de la croix, était là, qui, à table, avait penché sa tête sur le cœur de Jésus. Il a un battement de cœur qui lui fait dire, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Aussi, sans doute pour nous, l'occasion de revenir sur l'exercice spirituel qui consiste à regarder Jésus, présent dans le tabernacle. Que notre cœur puisse battre au rythme même du cœur de Jésus, qu'en tout lieu, en tout temps, nous puissions le reconnaître. Le reconnaître à travers la figure du pauvre, du laissé pour compte. Et lorsque Jean dit, c'est le Seigneur, Pierre, qui avait perdu sa dignité, qui péchait sans aucun regard tourné vers Jésus, il remet son manteau. Oui, frères et sœurs, nous avons nous aussi à remettre notre manteau, à remettre notre dignité reçue au jour de notre baptême, notre robe blanche du baptême. Il nous a donné de revêtir le Christ, de pouvoir cheminer chaque jour. Et en remettant cette robe blanche de notre baptême, l'habit du racheté, nous pourrons, comme Pierre, continuer à témoigner de Jésus devant nos frères et devant nos sœurs, parce que habitera en nous sans cesse l'Esprit du Seigneur, un esprit de paix, de joie, de réconciliation. C'est aussi l'occasion pour nos frères et sœurs qui rendent grâce au Seigneur de pouvoir dire comme Pierre, nous appartenons au Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Sainte gloire, nous croyons, sainte gloire, nous témoins, et nous exultons de joie, Seigneur, c'est que tu nous sauves, nous croyons en toi, il est bon de ta parole, Seigneur. Ne jamais la mort et possède en lui la vie éternelle. Habille-nous, Seigneur, via les paroles de la vie éternelle. Et possède en lui la vie et
Sentez-moi le voyant, et nos exultants de joie, Seigneur, Dieu que tu nous sauves, nous croyons en toi. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice soit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accomplions-nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous donnons de cette offrande pascale, transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobis tuum. Deus te tuus. Deus un corna. Alleluia Domino. Gracias a Deus. Domino. Salutare, et quidem domine omni tempore, sed in ac potissimus die gloriosius predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus et agnus, qui absurdi peccata mundi, qui mortem nostram moriendo resurgit, et vitam resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cumque omnis celestis exercitus, in num gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Sanctus, sanctus, devant toi, dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour très saint où résuscitation de la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, Dieu a libéré ta voix de notre Père, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entre les mondes dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité, notre démon. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te le demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandir notre charité en union avec le pape, notre pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, dans son manière particulière au Père Festus. Au Père Robert, à l'abbé Hervé, à l'abbé Jambon, à l'abbé Grégoire Péoun, à l'abbé Didas Mundunga, à l'abbé Edmond Tchikwenje Saloum et à tous nos autres confrères prêtres, à nos pères évêques, André Fernand Guillet, Patrice Félicien Marquaka, Cyriac Siméon Bamba, Raymond de la Mourère, François Ndon, et de tous ceux qui, partant du Père Jean-Rémy Bessieux, ont porté l'Évangile en terre gabonaise. Souviens-toi de nos catéchistes, et des fins de nos différentes familles et communautés. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté, implorons ta bonté sur Alexandre, sur Agathe, sur Josiane. Implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui participent à l'Eucharistie à leurs propres intentions, de manière physique ou virtuelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Hey,
ipsum et omnipsum et in ipsum. Est divino pacem omnipotenti unitate spiritus sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precet salutaribus moniti, et divina sitionem formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la gloire t'appartienne, l'oreille, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de toute l'Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-le Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il règne pour les siècles et les siècles. Amen. Pax vobis exit semper vobis quo, et cum spiritu tuo. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Omnius Dei, in omnis peccatamus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
cieux, immonde serpent vivant pour toujours, ce Père le vous donne, c'est ma chair, livré pour la vie du monde. Nous formons, aimer le temps, pour qui avons pas. Tu es ressuscité, toi qui manges avec nous, toi qui nous nourris. Dispose de nos cœurs aussi à nourrir nos frères et sœurs en leur donnant le meilleur de nous-mêmes, comme toi tu l'as fait don de ta vie par amour. Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'accomplis? Chaque jour, je célébrerai tes honneurs. Alléluia. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'accomplis? Chaque je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Timisaes, alléluia, alléluia. Deo gracias, alléluia, alléluia. Une bonne journée à tous. Merci, mon frère. Regina Celine, alléluia, priam, veleu isti portare, alléluia, resurrexit, sicurixit, alléluia.